J'espère que vous allez bien. Nouveau vlog, j'ouvre ce vlog aujourd'hui. Donc on est le lundi 7 juin. Il est, il va être 15h il me semble dans ces eaux là. J'ouvre le vlog seulement maintenant parce que j'avais pas mal de choses à faire ce matin. Et là je devais partir chercher des dons give. Donc du coup je vous prends que maintenant je viens de rentrer. Il y a quoi, il y a 5-10 minutes. J'ai été chercher des dons give. Donc comme d'habitude j'ai vu des vêtements femmes et enfants. Donc du coup je suis allée voir la dame à son domicile pour récupérer les dons. Je suis aussi passée par la poste. J'avais des perles à envoyer à une dame pour son diamond painting. Mon courrier pour ma caisse d'allocation familiale envoyé, et je devais imprimer un bordereau de Mondial Relais parce que j'ai vendu un article sur Vinted. Et donc du coup voilà, ce matin j'ai monté le vlog, donc la partie 2 du vlog donc de la semaine dernière pour vous. Je l'ai monté, je l'ai importé et tout, là il est sur YouTube, il est à programmer, comme ça je suis tranquille. Ensuite j'ai aussi lancé une machine, j'ai vidé mon lave-vaisselle, voilà, j'ai fait pas mal de petites choses dans la maison, j'ai fait un petit peu les poussières, etc. Pour voilà ma petite routine habituelle. Et puis voilà, donc pour la petite journée, donc j'ai été chercher des dons give. Alors je suis un petit peu déçue. Parce que j'avais réservé 3 articles femmes et 2 articles enfants. Donc j'ai eu les 2 articles enfants. J'ai eu un article femme sur 3. Donc un petit peu déçue. Donc déjà il y a un article qu'elle a oublié de me donner, voilà, qui n'est pas dans le sac. Et puis il y a un article qu'elle ne retrouve plus. Ça m'énerve un petit peu. C'est vrai que ça fait plusieurs fois que ça m'arrive que... quand on fait plusieurs réservations, à chaque fois, les personnes, il manque un truc. Donc ça, voilà, je comprends pas pourquoi on ne... Voilà, je comprends pas pourquoi les gens ne préparent pas tout de suite les vêtements, voilà, quand il y a plusieurs réservations, pour éviter de toujours oublier quelque chose. Parce que voilà, moi quand je m'en vais chez une personne, je vérifie pas si tous les articles sont présents, voilà, c'est gratuit, comme je dis toujours, c'est gratuit, donc je vais pas commencer à regarder tous les articles et tout devant la maison. Donc je prends et je regarde chez moi, et là je vois que voilà, il manque 2 articles femmes. Donc il y en a un, je le savais, l'autre je ne savais pas, donc j'ai pas confirmé l'adoption, clairement. En plus la dame, voilà, la meilleure c'est qu'elle me... elle note donné sur un des articles, alors que non, elle me l'a pas donné, donc moi je ne le confirmerai pas. Et comme je vous dis, ça fait déjà plusieurs fois que ça m'arrive. Une fois, deux, cette fois-là, trois, quatre. Ouais, ça fait déjà 4 fois que ça m'arrive que je récupère pas tous les articles. Donc voilà, c'est un petit peu dérangeant, on va dire. Voilà, je vais pas faire des histoires, quoi que ce soit, parce que voilà, c'est des produits gratuits. Donc on va pas râler. Mais voilà, je trouve que la moindre des choses, c'est quand même de vérifier que tous les articles sont présents et de préparer les sacs à l'avance avec les articles. Parce que moi, quand je suis arrivée, on s'était donné rendez-vous à 14h avec la dame. Et au final, je suis arrivée à 14h. Au moment où j'arrivais chez elle, à 14h pile, elle revenait seulement. Donc voilà, elle n'était pas à son domicile. Donc peut-être je serais arrivée 5-10 minutes avant, et ben elle n'était pas là. Donc du coup bah, elle a pas eu le temps de préparer les articles d'après ce que j'ai compris, parce que j'ai dû patienter un bon 5 minutes. Donc bon voilà, c'est juste le petit point négatif de Give. Voilà, il y a du bon parce qu'on a des produits gratuits, mais on a aussi du négatif parce que des moments bah, il nous manque des articles ou des choses comme ça. Donc je vais vous montrer rapidement ce que j'ai eu, parce qu'il n'y a que 3 petits trucs. Comme je vous dis, pour faire une vidéo j'attends toujours d'avoir plusieurs articles. Donc là, en premier, on a ce petit pull-là, donc pour ma fille. Voilà, donc c'est un petit pull rouge classique, voilà. Voilà, c'est un petit pull assez fin, hein. Manche longue. Et donc on a le petit col comme ça rose, donc vraiment, je trouve que ça fait à la fois classe. Ça fait habillé, c'est quand même de la bonne marque, voilà, c'est quand même du pareil au même, donc c'est une bonne marque. On a ici aussi...
Voilà, des petits yeux et puis une petite bouche. Voilà. Donc ça vraiment en très très bon état, hein, il n'y a aucun problème. Donc de toute façon ma fille elle met du 10 ans, donc ça c'est nickel. Vraiment rien à dire. Bon bien évidemment je vais tout relaver et tout comme voilà, je viens de les récupérer. Je mets pas ça dans mon armoire, je lave avant. Et j'ai récupéré un pantalon. Voilà, un petit pantalon comme ça qui est élastiqué, donc il n'y a pas de bouton, rien du tout, noir. Voilà. Donc il y a beaucoup de nounous dessus, je vois. Donc c'est du Kiabi. Voilà, donc c'est du 8 en plus. J'avais jamais vu ça, 8 en plus. C'est pareil, hein, franchement, franchement, il est en bon état. Il n'y a que ici qu'il y a des petites traces au niveau des genoux, donc je mettrai du K2R. Mais sinon, voilà, le pantalon, bon état. Donc comme ça, ma fille en aura un de plus parce que, voilà, en ce moment, elle me craque tous ses pantalons. Donc pour finir l'année, voilà, elle en aura un de plus. Et puis de toute façon, avec les températures qu'on nous annonce là pour ces jours-ci, bon, alors elle n'aura pas besoin de pantalon. Et donc pour moi, j'ai eu qu'un seul article. Je vais vous le montrer. Donc c'est un t-shirt, oui, encore un t-shirt, vous allez me dire à la folie des t-shirts, mais moi j'adore les t-shirts. J'en mets souvent. Hein. Voilà, donc c'est un petit t-shirt comme ça, donc voilà, tout gris classique, voilà, on a beaucoup de déco sur le devant. Voilà, donc il y a quelques trucs qui est... voilà, il y a quelques fils qui sont un petit peu, on va dire, décousus, voilà, qui se font la malle, si je peux dire. Donc c'est le seul petit point négatif, c'est que voilà, je pense que les petits strass et tout, à force, ça va quand même bouger. Voilà, c'est le seul petit hic. Voilà, je vois qu'il y a des perles et tout qui se retournent, mais bon, c'est le seul petit hic. Après, les perles et tout, franchement, elles sont en bon état. Il ne manque rien. Voilà, il en manque aucun, rien du tout. C'est juste qu'à force, voilà, les fils se décousent un petit peu. Donc c'est un H&M. Voilà, H&M en taille S et il me va. Voilà, c'est un H&M. C'est un S qui taille large, donc vraiment impeccable. Vraiment, on voit que c'est élastiqué, donc vraiment, il taille large. Donc je pense que je vous mettrai une petite photo à la limite. Voilà, comme ça, vous le verrez porter. Voilà, donc petit t-shirt. Donc c'est pareil, hein, franchement, il est en bon état, hein, il n'y a pas à dire. Hein. Franchement, il n'y a pas de trou, il n'y a rien du tout. Il est impeccable. Donc voilà, il est nickel, hein, j'ai rien à dire sur les vêtements, vraiment, ils ont l'air propres, pas abîmés et tout. Mais voilà, c'est juste le fait que j'y ai à la base pour 5 articles et j'en récupère que 3. Voilà, c'est juste le côté là que j'ai du mal à comprendre qu'on prépare pas les sacs avant pour éviter ce genre de désagréments. Donc peut-être qu'elle me renverra un message. Parce que du coup, elle m'a toujours réservé l'article. Donc, si elle le retrouve, peut-être qu'elle m'enverra un message et j'irai le chercher. Mais voilà, ça me fait encore un aller-retour, voilà, pour rien, alors que elle aurait pu me le donner tout de suite. Mais bon, c'est pas très grave, comme je me répète, c'est des articles gratuits. Donc voilà. Au niveau de ma petite tenue, bah, c'est basique, hein, comme toujours. Donc un petit t-shirt. C'est un petit t-shirt de la marque DDP. Voilà, donc c'est pareil, c'est mon ami qui me l'a donné. Donc franchement, le t-shirt, il est top. Voilà, ici c'est un petit peu transparent. Voilà, c'est comme ça. Il est blanc. J'ai mis un pantalon Pro Mode. Voilà, pareil, c'est ma copine qui me l'a donné aussi quand elle a vidé son dressing. Moi, je le replie au niveau des chevilles. Voilà, bon, toujours la ceinture qui habille, je ne vous la présente plus. Mes petites baskets avec les citrons. Voilà. Et puis j'ai mis, donc au niveau des tenues, voilà, c'est vraiment habillé avec ce que j'ai récupéré de ma copine. Au niveau des boucles d'oreilles, donc tout ça change pas, hein, c'est Action. Les boucles d'oreilles là, elles viennent de chez Claire's. Pareil, c'est une copine qui me les avait offertes à Noël. Voilà, je vous les avais montrées dans mes cadeaux de Noël. Mon collier, voilà, que je vous ai déjà présenté la semaine dernière. Et puis ici, c'est pareil. Ça n'a pas bougé. Voilà. Rien de spécial au niveau de la tenue, vraiment tenue coucoule. Donc aujourd'hui il fait chaud, mais ça va encore. Là ces jours-ci, on nous prévoit jusqu'à 28-29 degrés dans le nord. Donc là ça va taper ces jours-ci.
Donc là, clairement, je vais sortir les robes, hein, on va pas se le cacher. Pour aujourd'hui, comme le maximum c'était 23, je me suis habillée comme ça. Donc voilà, je vais pas vous retenir plus longtemps parce qu'on est déjà à 10 minutes pour une ouverture de vlog. Voilà, toujours pas mal de choses à vous dire. Donc là, ce que je vais aller faire, c'est mon repassage. J'ai un peu de repassage, j'ai fait toutes mes lessives samedi. Donc je vais faire mon repassage en vitesse avant d'aller rechercher ma fille, tout en regardant la villa des cœurs brisés. Et puis voilà, ce sera tout pour la journée. Il faut juste que je passe tout à l'heure à Aldi prendre du jus d'orange. Et puis voilà, rien de fifou après la fin de journée, c'est comme d'habitude. Donc je ne vais pas vous prendre plus longtemps. Je vous dis à demain pour une nouvelle journée. Hello, on est mardi. Mardi 8 juin, comme vous voyez sur mon plan de travail. Il doit être 10h15, je pense. Donc, je viens de rentrer de Carrefour et de la boucherie. Donc, j'ai fait quelques petites courses tout simplement pour faire des cannelloni. Parce qu'à Aldi, on n'a pas les pâtes à cannelloni et farce à légumes. Donc, du coup, j'ai pris ça. Et puis, j'ai pris 2-3 petites babioles. Donc, à la boucherie, j'ai pris 3 kilos de viande hachée. Donc, voilà, on en a toujours besoin de la viande hachée pour faire les pâtes bolo, hachis parmentier. Pour les cannelloni, on en a besoin. Donc voilà, j'en ai pris. Ça, on en consomme beaucoup. Du coup, j'ai pris la farce à légumes. Donc c'est 5,50 € les deux. Voilà, les pâtes à cannelloni. Donc j'ai pris deux boîtes. Parce que ouais, je regarde dans mon placard, mais j'en ai plus du tout. Bon, en général, moi, je fais quand même deux plats de cannelloni. Donc du coup les deux boîtes y passent, donc c'est très rare quand il me reste un fond de boîte. J'ai pris des Nesquik les petits parce que mon copain et ma fille adorent ça. C'est pareil, il n'y en a pas à Aldi, donc quand je vais à Carrefour, j'en profite. Ça, j'ai été sélectionnée par Sampléo pour tester, donc c'est les fouettés de beurre et lévrier. Donc on a le demi-sel et le doux, donc c'est des pots comme ça, donc c'est des pots de... Est-ce que je vais voir? 130 grammes, voilà, donc c'est du 130 grammes. Donc ça, du coup, j'ai eu les bons de réduction, il fallait que j'aille les chercher en magasin, donc j'ai été les chercher, donc il va falloir que je fasse les postes et tout, parce que sinon, je vais me faire, sinon je pourrais plus être sélectionnée à d'autres campagnes si je fais pas l'émission, donc il va falloir que je m'en occupe et que je goûte ça. Je goûterai ça d'ailleurs demain matin, à la limite, je vous ferai un petit retour dans le vlog. J'ai pris pareil de la margarine parce que... Je crois que j'ai entamé ma dernière plaquette et bon, ça j'en consomme beaucoup évidemment. Donc j'ai pris un grand truc. Donc c'est pareil, hein, c'est un grand paquet de 1 kilo, voilà, 1 kilo de margarine. Donc ça fait l'équivalent de deux plaquettes. Comme ça me fera une bonne partie du mois. Et il y avait des promos sur la lessive parce que j'ai mon dernier paquet de Lénore qui arrive à la fin. Donc du coup, il y avait la promo sur les Omo, une boîte achetée, la deuxième offerte. Donc Omo, j'aime beaucoup aussi. Hein, j'ai déjà pris cette marque-là, j'aime beaucoup. Et ceux-là, j'ai jamais testé. Donc c'est pareil, c'est sous format capsule avec 3 doses comme les Nord. Hein. C'est des boîtes de 27. Donc j'ai pris rose et lilas blanc et jasmin et fleur de coton. Donc voilà, là j'ai de quoi faire pour un moment. J'ai encore mon Alexa qui vient de se lancer. Donc voilà pour mes petites courses, je range et je vous reprends en face cam. Voilà, je vous reprends quelques temps plus tard. Donc j'ai rangé toutes mes courses. Il y a juste la lessive qu'il faut que je descende au sous-sol. Et puis c'est tout. Donc du coup, comme je vous disais, j'ai été sélectionnée il y a quelques temps par Sampléo. Voilà, comme je vous dis toujours, je participe à toutes les campagnes de tests sur différentes plateformes. Donc comme je vous ai dit, il y a le petit Marseillais, TRND, Sampléo, Beauté Test, il y a les sites Nivea aussi, Garnier qui fait ses campagnes de tests. Et du coup, je participe un peu à tout ce que je trouve. Et sur Sampléo, j'ai été sélectionnée donc, pour tester les nouveaux fouettés de beurre et les vire. Sampléo, moi j'ai déjà été sélectionnée par le passé pour tester les rouges à lèvres, bah, un rouge à lèvres Givenchy et le parfum Idole de Lancôme. Et donc du coup voilà,
Donc, c'est les nouveaux fouettés de beurre. Donc, du coup, ils vous envoyaient les bons de réduction avec voilà, la somme intégrale parce que voilà, ils ne vous envoient pas ça par colis. J'ai été les chercher aujourd'hui. Donc, on a eu un bon de chaque. Donc, on a le normal, le doux et on a le demi-sel. Donc, moi, c'est vrai qu'au niveau du beurre, je préfère le demi-sel, mais on testera le goût. Le goût. On testera le doux quand même. Donc, je verrai demain matin, je ferai des tartines grillées et je testerai ça. Du coup voilà, ils nous disent que donc on a d'abord un petit guide qui nous parle un petit peu des produits. Ils disent que ça a un bon goût frais, texture fouettée unique, légère, fondante, facile à tartiner et le pot pratique. Voilà. Ils nous montrent après un petit peu les différents produits de la marque Elevir, voilà. Donc ils nous disent qu'à l'intérieur, donc on a la lettre de bienvenue, le guide ambassadeur, on a nos bons de réduction à nous et après on a également des bons de réduction de 40 centimes qu'on peut donner à nos proches. J'en donnerai un petit peu autour de moi. Et après du coup ils nous demandent de faire de faire quelques photos parce qu'après on a des missions à remplir. Donc moi j'ai d'abord rempli la mission que j'ai récupéré les, ben, j'ai été acheter les fouettés de beurre. J'ai fait une publication Facebook, j'ai hâte de leur mettre le lien. J'ai fait une publication aussi Instagram où j'ai mis le lien également. Donc il faut que je fasse des photos et tout. Donc j'en ferai demain. Voilà. Donc ils disent que la mission 1, c'est prendre des photos du produit, partager sur les réseaux sociaux, faire découvrir voilà, à nos amis en donnant les bons de réduction et en leur faisant remplir un questionnaire et donner l'avis final. Voilà, c'est vraiment pas compliqué. J'ai eu du coup la petite lettre de bienvenue, voilà, félicitations, ambassadeur Elevir, voilà, prendre des photos, faut mettre les hashtags, voilà, etc. Donc ils disent pas c'est une campagne qui dure combien de temps, en général c'est 4 semaines. Et du coup, les petits bons de réduction que je donnerai autour de moi et que je mettrai dans des colis Vinted. Voilà, moi je fonctionne comme ça, je donne autour de moi et je mets dans des colis Vinted. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, voilà, on en a 12. Donc on a de quoi faire. Donc ouais, par contre, il faudra en donner deux pour pouvoir tester un de chaque. Donc voilà pour le petit... La petite campagne Elevir, je vous ferai un petit retour demain dans le vlog. Et puis de toute façon, je ferai des posts sur Insta, sur Facebook, vous ne m'avez pas. Parce que Facebook, c'est mon compte personnel. Je le donne vraiment qu'aux, on va dire, à mes copines proches YouTube. Voilà, mon Facebook, ça, je ne le divulgue pas. C'est mon Facebook personnel où voilà, il y a ma famille, il y a ma fille, mon copain, etc. Donc celui-là, je ne le donne pas. Mais bon, de toute façon, vous m'avez déjà sur Instagram et sur voilà. Et puis voilà, YouTube où je partage énormément, énormément de choses. Donc voilà. Donc ce matin, j'ai été déposer mon colis Vinted, la veste que j'ai vendue dimanche. Ensuite, j'ai été à Carrefour et je suis passée à la boucherie. Donc là, ça va bientôt être l'heure d'aller chercher ma fille. Je vais faire deux, trois petites choses dans la maison et ce sera tout. Ce sera l'heure d'aller la rechercher. Voilà, je vais manger, je vais faire mon petit train-train quotidien du midi. Et puis cet après-midi, j'ai pas grand-chose à faire. Clairement, je vais pas vous mentir. Je pense que je vais me poser et avancer sur Top Chef parce que je regarde Top Chef en replay. Et là, ça fait un moment que j'ai pas regardé. Je suis arrivée au deuxième épisode des quarts de finale. La finale est cette semaine. Je pense que je vais avancer sur ça cet après-midi parce que j'ai pas grand-chose à faire. Ma maison est propre et tout. Et clairement, là, les températures vont monter cette semaine. Je vais pas. Voilà. Si je bouge, c'est le matin comme j'ai fait aujourd'hui. Parce que là, à partir d'aujourd'hui, les températures, elles montent. On est presque à 30 degrés. Voilà, rien de spécial à vous dire aujourd'hui. Je ne sais pas si je vous reprendrai. Je ne sais pas du tout. On verra. Voilà, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Préalablement fait une pulpe de tétragone, en fait c'est des petites feuilles d'épinards. À partir de là, j'ai posé la baudroie qui a été alléchée donc sur ce petit. Je vous reprends, il va être 4h moins le quart. Je vais clôturer cette journée ici.
Là, je viens de finir de regarder Top Chef. Comme vous avez vu, j'ai fini de regarder les quarts de finale. Donc là, j'ai encore trois épisodes. Deux épisodes de la demi-finale et l'épisode de la finale qui passe demain. J'ai encore trois épisodes. Mais bon, quand c'est en replay, ça reste un moment. Donc je regarderai ça plus tard. Voilà, j'ai rien fait de spécial depuis que je vous ai laissé. Comme je vous ai dit cet après-midi, et puis bon, entre les midis, c'est toujours mon tratra quotidien. Et là, j'avais pas grand-chose à faire cet après-midi. Au niveau de mon linge, je suis à jour. La maison, elle est propre. Voilà, vraiment, j'avais pas énormément de choses à faire dans la maison. Donc, du coup, j'en ai profité pour regarder Top Chef. Entre les midis, je me suis fait un steak haché avec des poivrons à la poêle. Et du coup, j'avais du pain. Et j'ai goûté déjà, c'est le fouetté de beurre et lévrier. Donc, j'ai pris d'abord le doux. Moi, comme je vous ai dit, je prends toujours du beurre demi-sel. Donc là, j'ai d'abord pris le doux pour commencer. Parce que je pense pas que je vais entamer les deux boîtes d'un coup. Ça se présente comme ça. Voilà, donc ça se présente comme ça, donc c'est vraiment un fouetté, vraiment, on voit que c'est quelque chose de léger, voilà, c'est vraiment une texture aérienne et tout, voilà, c'est vraiment quelque chose de léger, franchement j'ai tartiné ça, effectivement voilà, c'est vraiment le beurre doux, effectivement, voilà, le beurre il passe tout seul, il s'étale super bien, il est bon, vraiment, voilà, c'est un petit beurre léger, c'est vrai que c'est pas le même goût que le demi-sel. Mais voilà, j'ai plutôt bien aimé. Voilà, vraiment très sympa. En plus, ça coûte 1,90€. Je trouve quand même que c'est raisonnable pour du beurre. Les 130 grammes, 1,90€. Pour moi, je trouve que c'est raisonnable. En plus, c'est quand même du Elvire. Je suis assez satisfaite. Il y a quand même une bonne quantité. Donc ça, c'est vraiment le genre de beurre qu'on garde vraiment pour tartiner sur le pain et pas le genre de beurre qu'on prend pour la pâtisserie et tout. Voilà, vraiment c'est une bonne découverte. Je pense que je pourrais me les reprendre et les prendre aussi avec mon bon de réduction parce que franchement, belle découverte, je suis vraiment satisfaite. Voilà, pas grand-chose à vous dire. Là, je vais peut-être c'est commencer de monter le vlog. Peut-être que je vais commencer à le monter parce que demain, demain, je ne sais pas si je vous prendrai ou pas. Peut-être une fois. Ouais, peut-être une fois, mais je voudrais faire demain, c'est un crash test du site Revolution Beauty, parce que j'avais commandé au mois de novembre un coffret de Noël, et je vous ai donc crash testé les deux grandes palettes en tablette de chocolat, je vous avais fait la vidéo, je vous la remettrai en barre d'infos. Et j'avais aussi une petite palette à l'intérieur, j'avais aussi une palette pour le teint, je crois que c'était une palette highlighter et bronzer. Et du coup, je voudrais bien vous refaire un make-up complet Revolution Beauty. Pourquoi pas aussi inclure des produits make-up que j'ai eu ces derniers temps dans les Blissim. Je ne vais pas dire chez Action parce que j'ai rien eu en maquillage chez Action. Et ces derniers temps, hormis Beauty Bay, je n'ai rien commandé en make-up. Mais voilà, pourquoi pas inclure des petits trucs que j'ai eu ces derniers temps dans la Blissim. Voilà, je pense que je vous ferai ça demain matin comme ça. Un crash test, ça changera des vidéos de tutos de palettes. Et puis, je voudrais aussi tourner, la Blissim. Ouais, c'est pareil. J'ai la Blissim à vous à tourner aussi. Comme je vous ai dit sur le précédent vlog, je l'ai reçue. Donc, il faudrait que je la filme pour qu'elle soit en ligne lundi. Lundi pour vous, le lendemain que vous voyez ce vlog. Il faut aussi que je fasse, c'est la vidéo lookbook. Vous l'aurez déjà eu quand vous verrez cette vidéo. Mais aussi la vidéo lookbook, voilà, pour vous présenter quelques tenues d'été. Donc c'est pareil, il faut que je fasse ça. Donc ça, je m'en occuperai plutôt jeudi parce que clairement, maquillée, je commence pas à faire les essayages. Donc ça, je m'en occuperai jeudi. Mais voilà, pour YouTube, j'ai encore des petites choses. Pour les vlogs, de toute façon, ça sera en deux parties. Voilà, je vous mettrai lundi. Et mardi et mercredi, jeudi, vendredi, voilà, toujours pour au niveau de mon téléphone et tout, comme je vous ai déjà expliqué. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vais pas vous prendre plus longtemps. Je vais vous laisser là, et puis de toute façon, je vous retrouverai du coup
demain, ouais, peut-être demain quand j'aurai fait le make-up et puis pour vous montrer la tenue du jour, parce que c'est vrai, la tenue du jour, je me suis habillée à l'identique que hier, comme vous avez vu. Donc voilà. On va en rester là. Je vous dis à demain.